الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وإخوانه النبيين والمرسلين. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des envoyés. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ô Allah, accorde-nous ton pardon et accorde ton pardon à nos frères croyants qui nous ont précédés. أما بعد فيقول النووي في شرح مسلم ما نصه قوله اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع منه في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. النووي a dit dans son commentaire de Muslim ce qui suit. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam avait une bague en argent qu'il portait dans sa main, puis ce fut Abu Bakr qui la porta, enfin Omar et Othman, jusqu'à ce que Othman la fasse tomber dans le puits de Haris. Sur cette bague, il était inscrit Muhammad, le messager de Allah. فَقَوْلُهُ فِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ ولبس لباسهم وجواز لبس الخاتم. En tout cela, il y a la preuve qu'il est permis de rechercher les bénédictions par les traces des vertueux, en portant les mêmes vêtements qu'eux, et qu'il est permis de porter la bague. وفي قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث إذ لو ورث لدفع الخاتم إلى ورثته. Il y a en cela la preuve également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas fait en sorte que ses biens soient hérités. Parce que s'il avait fait en sorte que ses biens soient hérités, il aurait fait que sa bague parvienne à ses propres héritiers. بل كان الخاتم والقدح والسلاح ونحوها من الآثار الضرورية صدق للمسلمين يصرفها والي الأمر حيث رأى من المصالح. La bague, le récipient du prophète, ses instruments propres étaient restés une aumône en faveur des musulmans que le gouverneur dépensé et placé là où il voyait que c'était le plus utile. فجعل القدح عند أنس رضي الله عنه إكراما له لخدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a fait en sorte que le récipient du prophète صلى الله عليه وسلم soit confié à Anas pour l'honorer pour son service au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن أراد التبرك به لم يمنعه وجعل باقي الأساس عند ناس معروفين انتهى قوله. Et celui qui voulait avoir des bénédictions par le récipient qu'avait utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas lui autorisait et lui permettait de le faire. Et il a fait en sorte que le reste des meubles du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit chez des gens qui étaient connus. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana
وقنا عذاب النار. Ô Allah, accorde-nous un bien dans ce bas monde, un bien dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.